Bonjour, je m'appelle Steven Van Parijs, je suis un farmer. Nous sommes ici sur la ferme. On traite maintenant 240 vaches. Notre référence laitière, c'est environ 11 500 litres par vache par an, c'est ça? À côté des vaches, on a encore les porcs et sur le terrain, on met les pommes de terre, les choux-fleurs, c'est ça, oui, et bien sûr les herbes et le maïs. Je crois qu'on utilise environ 100 hectares. Alors 100 hectares pour plus de 200 vaches, ce n'est pas assez. Non. Comment vous faites pour nourrir le troupeau? Non, c'est pas assez. Heureusement, heureusement, c'est-à-dire, il y a beaucoup de fermiers ou de fermes autour de nous avec des gens qui sont plus âgés que moi, qui sont 60 ou 70 ans d'âge et qui ont encore beaucoup de terrain et ont fait des collaborations avec eux. Donc nous on a la merde, c'est ça? La merde des vaches qu'eux ils ont besoin et nous on a besoin du maïs par exemple. Donc on fait des collaborations avec les voisins. Parce que justement, vous êtes propriétaire de vos terres? Partiel. On a une partie qui que moi et ma femme sont propriétaires et une autre partie que mes parents sont propriétaires. Il y a toute la famille en principe. Il y a une partie qu'on loue, c'est ça? Oui. Parce que justement, c'est juste pour expliquer un petit peu, ici en Flandre, les terres sont très chères. Oui. Le dernier terrain, on a acheté un peu plus que 100 000, 100 000. 100 000 euros par hectare. Donc, Oui, c'est très cher. c'est très cher, oui. Donc, on a repris la ferme de mes parents en 2018, oui. On a commencé à construire un bâtiment pour 120 vaches, ce qui est celle-là. On a après changé notre bâtiment pour les veaux, c'est ça? On avait l'idée de grandir encore un peu jusqu'à ce que 240 vaches. Donc cette année, on vient de finir la construction de la dernière étable pour les vaches. Donc maintenant, on se trouve à deux étables avec chacun 120 vaches, un étable pour les veaux et encore un étable pour le matériel et le stockage et tout ça. Et alors justement, votre objectif, c'est d'automatiser un maximum? Oui, on a fait le choix de rester une ferme familiale, disons. Donc ça veut dire qu'il n'y a que deux personnes pour faire tout le travail en principe. Bon, on a les contracteurs dans la saison et tout ça, mais en normal, on n'a que deux personnes. Donc 240 vaches, ça fait beaucoup de travail pour deux personnes. Pour être capable de tout le faire, on a choisi d'automatiser. On a bien sûr les systèmes de traite automatisés qui sont déjà plus ou moins standards, je crois. En plus, on a ici fait le choix pour implémenter un système pour la nourriture des vaches pour automatiser tout ça. Ça donne des avantages, bien sûr, au niveau de leur travail, mais aussi au niveau de litres de lait. Des avantages, c'est bien sûr que c'est toute la technologie qui, espérons pas, mais qui va un jour casser ou. Et ça représente quels investissements, tous ces aménagements? Est-ce qu'on peut parler d'un chiffre? Je crois que pour chaque bâtiment, il faut calculer avec les vaches et tous les permis et tout ce qu'on a besoin ici en Belgique ou en Flandre. On parle d'un million et demi environ. Donc ça fait 3 millions pour les 240 vaches et encore un peu plus pour les veaux. Et vous espérez le rentabiliser sur combien d'années?
Espérons que ça marche sur 10 années. Avec le manque, c'est 15, mais bon, on espère de le faire en 10. Ok, et juste pour finir, parce qu'on a la pluie, Oui. quels sont vos projets pour demain? Qu'est-ce que vous aimeriez continuer ou changer? Bah, je crois que les plus grands investissements pour nous seront faits. On a encore des améliorations à faire, bien sûr. Ça se trouve surtout au niveau de faciliter le travail, c'est ça. On doit encore ajouter quelques silos pour conserver la maïs ou les herbes, c'est ça. Et la plus grande challenge, ce sera de le faire tout tourner à 100% et d'avoir beaucoup de lait.